Journée spéciale pour ces 6 élèves du lycée Louis Blériot de Trappes. Ce mercredi 26 mai, ils ont pu discuter avec une députée européenne dans le cadre d'un programme Erasmus débutant en 2018. La femme politique française Irène Tolleret a pu partager son expérience lors d'une séance de questions-réponses pendant une heure. J'ai trouvé super intéressant. Il y a eu beaucoup d'échanges entre les élèves et la députée européenne. Pouvoir apprendre plus en profondeur ce qu'une personne dans un poste de député européen puisse faire. De manière générale, on peut savoir à peu près ce qu'ils font. L'intégralité de ce rendez-vous a été réalisée en anglais pour pouvoir permettre à plusieurs classes étrangères partenaires de participer. L'événement s'est déroulé en simultané dans des classes chypriotes, néerlandaises et slovaques. L'occasion également pour les trappistes de travailler des langues étrangères. Ça permet de travailler l'anglais, oui, parce qu'on a une plateforme virtuelle où les élèves, entre les visites, ont réalisé des activités et bien sûr les échanges chez en anglais. Ils ont également appris quelques mots de langue de nos partenaires, du slovaque, du grec. Ce type d'initiative n'est pas inédite pour la structure. Des programmes européens sont menés depuis une dizaine d'années à Trappes. On envoie régulièrement nos élèves en stage et puis ce projet a permis à des élèves de CAP et de terminale bac pro et première bac pro de travailler en commun sur un projet en relation avec la culture. D'autres animations sont programmées jusqu'à ce vendredi dans la structure avec notamment une visite virtuelle du Parlement européen. Ce partenariat entre le lycée et Erasmus va continuer à se développer et se poursuivra au minimum pendant encore 7 ans.